Bonjour et bienvenue sur Qsari Web TV pour une nouvelle émission, bien sûr, toujours dans le domaine du sport féminin. Aujourd'hui avec nous, une joueuse qui pratique le football en première division au niveau de Ottawa, la province de l'Ontario. Une joueuse, bien sûr, qui postule pour un poste, pourquoi pas, en équipe nationale féminine algérienne après Assia Sidhom et Iman Chebbel. Avec nous aujourd'hui, Anaïs Manser. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par te présenter, bien sûr. Ouais. Présente-toi aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Donc, je suis Anaïs Manser. Mon nom, c'est... j'ai 19 ans. Je joue au soccer depuis que j'ai 6 ans. C'est une passion pour moi, donc c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Donc, on va commencer par la... Quand est-ce que tu as commencé le soccer? Justement, tu as dit à l'âge de 7 ans. Avec qui tu as commencé? Est-ce que c'était au niveau récréatif, j'imagine? Mm-hmm. Oui, donc ma première année, c'était vraiment en général très récréatif. Donc, c'était juste pour le plaisir. Puis aussi, je voulais voir comment que c'était jouer dans une équipe avec les autres filles et tout. Donc, c'est ça, j'ai commencé général. Puis, peu à peu, j'ai monté l'échelle. L'échelle. Ouais. Tu as commencé avec le Cumberland United, ouais. Ça c'est un club à Ottawa? Oui, c'est un club qui se retrouve à Ottawa, donc c'est comme j'ai dit, c'est un club général, c'est comme un house league, comme qu'on dirait. Donc, une ligue maison. Une ligue maison, ouais. Exactement, oui. Donc, vous jouez comme à l'âge de 7 ans, j'imagine que c'est des matchs juste pour sélectionner quelles sont les filles qui ont peut-être l'opportunité d'aller loin au soccer, c'est ça? C'est exactement ça qui est arrivé à moi. Donc, c'est ça. Ils ont vu que j'étais un peu plus avancée que les autres. J'étais capable de faire des passes un peu plus, disons, précises que les autres. Donc, c'est à partir de là que j'ai pu augmenter de niveau. Justement, après, ça a été en 2017, tu as marqué 27 buts. Oui. En Ligue Maison. En Ligue Maison, oui. C'est pour ça que j'étais vraiment choquée. Donc, c'est ça qui t'a amené, ils ont confirmé que c'est vraiment, tu as une carrière à faire au soccer. Oui, exactement. Donc, et après, en 2008-2009, tu as gardé, tu étais toujours avec le même club, mais en U10 et U11, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est U10, U11? Est-ce que tu es sorti de la Ligue Maison? C'est devenu compétitif? Oui, c'est ça. Donc, c'est le début compétitif. C'était les Cumberland Cobras. Donc, avant, on avait Cumberland United, qui était la Ligue Maison. Et c'est ça. Donc, j'ai augmenté de niveau. Ça a été un changement pas trop drastique. Mm-hmm. J'étais prête pour ça. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. Après ça, tu es toujours resté avec le même club en 2010. Oui. C'était en U13, mais tu jouais avec des filles qui avaient plus âgées que toi, c'est ça? Oui, donc j'avais fait les try-outs, comme les autres filles de mon âge. Ouais. Puis, ils ont remarqué que j'étais un peu plus habile, puis ils m'ont demandé de jouer avec des filles plus vieilles. Donc, j'ai accepté. C'était un challenge pour moi. Mais c'était comment? Toi, tu t'es vu comme, je vais jouer avec des filles plus vieilles, peut-être je ne serai pas bonne, peut-être. Mais est-ce que tu étais vraiment sûre de tes qualités? Je pense que j'étais sûre. C'est normal d'être stressée. C'est 100% normal. Le début était stressant. Tu vois, les filles sont plus vieilles, sont plus grandes. Mais non, mon début a été bien. J'étais à ma place. Et après, après 2010, donc t'es resté avec le même club. Oui. Mais est-ce que tu jouais en hiver et en été en même temps avec le même club, c'est ça? Oui. Donc, il y avait souvent des académies qui se formaient pendant l'hiver. Donc, on allait dans un dôme et on traînait tout l'hiver. Donc, on avait des pratiques, on avait des entraînements, des échauffements, on pratiquait notre physique aussi. Donc, on avait beaucoup de conditionnement aussi inclus dedans ça pour essayer d'augmenter le niveau et notre performance. Et après, tu as été la saison 2011-2013. En hiver, tu es resté avec le même club, oui. Avec le Cumberland, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'était plus à l'intérieur ou c'était à l'extérieur aussi, de 2011 à 2013 quand même, c'est 2 ans? Oui, c'est l'hiver exactement. Donc l'hiver, nous, c'est toujours à l'intérieur, parce que la neige ici au Canada. C'est ça. Donc c'est ça, on avait des dons, puis on pratiquait toujours là. Mais c'était une académie? Oui, une académie. Mais c'était une académie pour promouvoir le soccer. Est-ce que c'est une académie qui a les meilleures filles qui existent en Ontario? Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de recruter les meilleures filles. Ils essaient d'augmenter leur performance, essayer d'arriver à un point où ils pourraient jouer à un niveau encore plus élevé.
Donc, c'était vraiment une bonne base pour nous. Donc, tu étais très présente avec les meilleures filles au niveau de l'Ontario. Oui. Donc, c'est ça. Après, de 2011 jusqu'à 2013, toujours, tu étais avec les U. Après, tu es passé en U13. Oui. U13 à U15. Tu étais sélectionnée avec l'équipe au niveau régional. Oui, c'est ça. Donc, c'était un niveau encore plus haut. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Donc, c'est ça. J'ai joué au niveau régional, qui c'était le plus haut niveau de la région, donc de la communauté. C'était un gros step pour moi, parce que c'est un niveau très élevé. La performance était excellente. On avait une très bonne équipe, on jouait très bien ensemble. Aussi, on jouait contre des filles qui étaient... C'est un niveau très élevé, donc on jouait contre quand même des équipes vraiment bonnes de la région. Donc. Mais régional, ça veut dire quoi? Est-ce que avant, tu as commencé avec U13, U11, oui. U13, et après de U13 à U15, est-ce que vous avez commencé à jouer en dehors de la province ou juste au niveau de la province? C'était juste au niveau de la province, oui. Mais c'était régional, c'est comme entre régions, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes au niveau de cette ligue aussi? Ah oui, il y a énormément d'équipes. On jouait contre, on avait des équipes de Kingston, contre Oshawa, donc c'était un peu partout, oui. Et combien d'équipes il y avait? Est-ce qu'il y avait des divisions aussi, j'imagine? Régional, c'est une grosse division. Donc, c'est juste une division régionale. OK. Après, en 2014, tu étais en 2014, Ottawa International. Peux-tu parler un peu de... Oui. J'ai joué avec Cumberland Cobras, puis j'ai eu une offre du coach d'Ottawa International qui m'avait demandé de venir jouer avec eux. Puis c'est un club très reconnu à Ottawa. Donc, j'ai dit pourquoi pas. J'ai pris l'opportunité. Aussi, c'était avec des filles plus vieilles que moi. Donc, je me suis dit, un nouveau club, des nouvelles filles, un niveau plus haut, j'ai pris l'occasion pour m'améliorer. Ça, c'est une autre équipe? Un autre club. Au niveau régional aussi? Au niveau régional, oui. Donc, c'était quoi, pour toi, c'était quoi passer de l'équipe que tu as pris à partir de la Ligue Maison jusqu'à cette période où tu as passé à une autre équipe? Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou... Les débuts, c'était un peu difficile parce que quand même, c'était le club que j'ai, grandi. Oui. Donc, c'était un peu difficile pour moi, mais les filles étaient incroyables. Les coachs aussi, ils étaient excellents. Donc, pour moi, le début était quand même... C'était quand même assez facile pour moi. Mais pour eux, c'était quoi d'avoir quitté leur club, le club où t'as quand même t'as commencé? Je pense que c'était difficile, oui. Mais ils étaient contents en même temps parce que c'est une fille qui est sortie de leur académie qui voit progresser, qui va à un autre échelon, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais en même temps, en 2014, il y avait le tournoi au Minnesota, c'est ça? Oui, aux États-Unis. Est-ce que tu peux en parler un peu de... Donc, c'est un tournoi que plusieurs équipes au niveau du monde. Donc, on avait la Chine, on avait l'Italie, on avait le Canada. Puis, mon équipe représentait le Canada. Donc, c'est ça, on joue contre des filles tout autour du monde. Donc, ça, c'était vraiment... c'était incroyable. Et vous êtes classé 3e. Oui, puis... Mais avec qui tu es parti? Avec Ottawa International aussi? Oui, exactement. C'est la même équipe? Oui. Est-ce que c'est un tournoi ouvert à toutes les équipes ou c'est des sélections? C'était beaucoup plus des sélections. C'était sélectionné à partir de comment que notre année a été. Donc, ils sélectionnaient. Donc, ils ont décidé qu'on représente le Canada, qui est incroyable. Oui. Donc, ça veut dire que Ottawa International représentait tout le Canada. C'est comme la sélection canadienne à ce tournoi au Minnesota. Exactement, oui. OK. C'est ça. Après ce tournoi, qu'est-ce qui s'est passé? Après le tournoi, tu es resté avec Ottawa International? Oui, j'ai décidé. Je pense que c'était une année incroyable. Puis après, j'ai changé aussi de club. J'ai été avec un différent club qui était à un niveau plus haut encore. Oui. Oui. Peux-tu nous parler un peu? Parce qu'après, en 2015, tu as joué en futsal aussi, U18, avec les U18. Est-ce qu'ils avaient ton âge ou c'était encore plus vieux? Non, futsal, c'était toujours plus vieux avec Ottawa Internationals. Futsal, c'était beaucoup plus technique, donc c'est à l'intérieur, donc ça joue beaucoup plus sur la technique, c'est beaucoup plus petit. Oui. Donc déjà la performance, la touche au niveau de la balle était beaucoup plus meilleure puisqu'on a eu plus de pratique au niveau de ça. Oui. Donc l'équipe que tu as changée, ça s'appelle Nepean Hotspur. Oui, Nepean Hotspur, oui, c'est ça. Donc c'est une équipe qui joue au même niveau qu'Ottawa International ou pourquoi tu as changé? J'ai changé parce que c'était un niveau plus élevé. C'était le niveau le plus élevé de la province, donc on appelle ça le OYSL, qui est le Ontario Youth Soccer League. Mm-hmm. C'était l'année où j'ai joué le plus élevé.
C'est un club où on jouait contre des filles de Toronto. On était souvent à Toronto, donc à chaque deux semaines environ, on avait une game qui était à Toronto. Donc on jouait vraiment contre des équipes très élevées, des filles qui étaient incroyables. Ouais. Et après, tu es passé à une autre équipe encore, les Rockets? Oui, les Rockets. C'est ça, à Ottawa. Donc, il y a un certain âge qu'on arrive comme la Ligue senior, comme on dirait ici. Mm-hmm. Donc, nous, c'est le Women's League. Donc, on joue contre des femmes de 26 ans et plus. Donc, c'est incroyable. Est-ce que c'est un niveau triple A comme ici ou… C'est comme… oui, c'est ça, la Ligue triple A. C'est le niveau plus haut, c'est ça? Oui. Donc, le triple A, c'était le Rockers United. Oui. Donc, c'est ça. Et après, en hiver 2018, bien sûr, maintenant, tu joues au soccer intérieur. Oui. Encore, c'est plus petit. Donc, ça permet de… je permets de travailler beaucoup plus sur ma performance, la vitesse. Je permets de travailler sur ma touche. Donc, j'adore ça. Mais c'est toujours avec la même équipe. Oui. Maintenant, la dernière équipe. Mais là, tu joues en senior. Oui, c'est ça. OK. C'est pour ça que tu veux postuler pour un poste en équipe nationale. Pourquoi pas? Là, on a parlé de ton parcours footballistique. Maintenant, à quel poste tu joues en général ou est-ce que tu as des postes variés? Ou... Je suis une joueuse. Je pense que je pourrais jouer n'importe où, mais j'ai certaines préférences. J'aime jouer le milieu de terrain, gauche ou droite. Je joue des deux pieds, donc ça ne dérange vraiment pas la gauche ou la droite. Aussi, je joue avant-centre. Donc, c'est ça, oui. Avant-centre, oui. Oui. Attaquante. Attaquante de pointe. Oui. C'est pour marquer des buts. C'est pour ça que tu as marqué 27. Oui, exactement. Justement, quand tu as marqué 27 à l'âge, quand tu as commencé à l'âge de 7 ans, et après, est-ce que tu as marqué d'autres buts au niveau des autres ligues? Est-ce oui, c'est sûr. C'était pas 27, c'est sûr, mais c'était quand même. Est-ce que tu étais parmi les meilleurs. Oui, souvent, je me suis classée les top 3 de la ligue. Donc, déjà, ça, c'était gros pour moi. Et maintenant, comment c'est devenu une passion pour toi, le soccer? Bien, depuis le jeune âge, toute ma famille, on était passionnés du soccer. Mon frère jouait, mon père jouait, moi je jouais. Donc, ça a commencé comme ça. C'est une passion, puis c'est un sport que j'adore jouer. Oui. Et sinon, c'est quoi tes objectifs au niveau, soit au niveau du club, soit au niveau international aussi? Bien, mon objectif au début, c'était d'atteindre le niveau OYSL. Donc, ça, c'était mon premier objectif, puis je l'ai atteint. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller plus haut? Donc, pourquoi peut-être un jour jouer pour une équipe nationale? Ça serait bien. L'équipe nationale algérienne. Algérienne, 100%. Tu as eu des touches un peu, tu as eu des contacts un peu avec l'équipe nationale canadienne. Est-ce qu'on t'a déjà parlé au niveau d'Ottawa, tu peux postuler pour l'équipe nationale canadienne ou tu préfères vraiment que ce soit l'équipe nationale algérienne? L'équipe nationale algérienne. Je pense que ça serait... je serais un bon ajout pour cette équipe. Justement, est-ce que tu connais quelques joueuses? Tu sais qu'ici, au niveau de ce studio, on a déjà eu Assia Sidrom qui joue en ce moment avec l'équipe nationale algérienne. Que, bien sûr, il y a une autre fille aussi, Iman Chebal, qui joue ici à Montréal, à Québec, au niveau de la Ligue élite aussi du Québec. Toutes les deux ont joué la rencontre du Sénégal face au Sénégal la semaine passée. Que l'équipe nationale, d'ailleurs, s'est inclinée 2-1, ce qui leur donne la chance de, s'ils gagnent juste 1-0 mardi prochain à Alger, donc les filles seront qualifiées au tour prochain. Est-ce que tu connais Assia ou Iman? J'ai déjà vu des vidéos, j'ai vu très bonne joueuse, donc oui. Mais tu n'as pas eu la chance de la rencontrer encore? Non, pas encore. Mais tu sais qu'elle est passée ici au niveau de ce studio. Elle a eu la chance d'être appelée en équipe nationale aussi. On l'espère pour toi aussi. Sinon, est-ce que tu connais le sélectionneur? Est-ce que tu connais quelques joueuses aussi au niveau de la sélection? Je connais aussi le sélectionneur, c'est... J'ai oublié le nom. Asdin. Oui, Cheikh, exactement. Okay. Il y a aussi Naïma que tu connais? Naïma. Naïma Lawadi aussi, c'était une excellente joueuse aussi qui a joué en France, qui a joué en Algérie avec la JS Kabylie. Ouais. Donc, on va aller avec une page publicitaire. Après, en revenant, bien sûr, on va continuer... avec notre invité, il s'agit de Anaïs Manseur qui joue bien sûr en première division avec Ottawa au niveau de la province de l'Ontario.
De retour avec notre invité Anaïs Monsieur, que j'avais dit, joue en première division dans, au niveau de la province de l'Ontario. Elle postule bien sûr pour une place en équipe nationale féminine algérienne. Je rappelle pour la publicité, il s'agit de le 5 mai. Le 5 mai, il y aura un événement pour fêter le 20e anniversaire de Qsari Web TV. Bien sûr, c'est le premier site internet destiné à la communauté algérienne depuis 20 ans, depuis 1997. Donc, ça va être le 5 mai à partir de 18h30. Donc, pour acheter les billets, vous pouvez aller sur qsariweb, bien sûr, .ca. Vous pouvez acheter des billets. Il en reste encore des billets. Pour information, il n'y aura pas de vente de billets au niveau de la salle, donc le jour même. Donc, ça serait mieux d'acheter vos billets au niveau du site ou en appelant au numéro de téléphone sur le site que vous allez trouver sur le site internet qsariweb.ca. Donc, continuons avec notre invité. Donc, c'était, comme on a dit, donc, pour la sélection. Tu connais quelques joueuses. Donc, quelles sont, si on peut dire, quelles sont tes qualités, les qualités que tu en as, et peut-être quelques qualités à améliorer. On ne va pas dire des défauts, mais c'est des qualités que tu penses à améliorer. Okay. On va commencer avec le bon. Je pense que je suis une joueuse quand même qui voit le jeu d'une manière assez spécifique. Je suis capable de créer des opportunités. Je suis habile des deux pieds, donc je suis gauchère, droitière au jeu. De plus, je fais des passes incroyables. Je suis capable de voir un jeu, de créer des opportunités, soit pour moi ou pour mes coéquipiers. Donc c'est ça, c'est mes gros points forts. Et les points à améliorer peut-être? Points à améliorer, j'irai beaucoup plus avec ma vitesse, améliorer aussi le début de vitesse. Donc c'est ça, ça va, j'irai beaucoup plus avec ça. Avant de continuer, on va poser un peu une question un peu personnelle concernant tes parents. Tes parents, quand ils t'ont vu évoluer comme ça, est-ce qu'ils ils étaient derrière toi et ils t'ont encouragé? Ils pensaient déjà à l'équipe nationale algérienne, j'imagine? Ben oui. Depuis que j'étais toute petite, quand même, c'est un grand plaisir pour mes parents de me voir jouer. Je pense pour tout parent, voir son enfant aimer un sport ou faire quelque chose de bien. Puis aussi, c'est sûr que ça serait quand même incroyable pour mes parents de voir un jour jouer pour une équipe et oui, pour une équipe nationale. Donc, surtout qu'avec l'équipe d'où ils viennent, eux. Donc, ben oui, mais d'où je viens aussi. Hein, exactement. Donc sinon, concernant ton équipe à toi, est-ce que entre vous, les joueuses, est-ce que vous en parlez? Est-ce que tu as déjà côtoyé des joueuses qui ont été sélectionnées en équipe nationale canadienne? Ou... Oui, j'ai quelques amis qui ont été sélectionnés pour l'équipe nationale canadienne. Ils aiment vraiment ça. C'est une opportunité incroyable. Puis moi, j'aimerais un jour peut-être leur mentionner que j'ai été sélectionnée pour Non, mais est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce qu'ils te disent que toi, tu postules peut-être pour un poste soit en équipe canadienne ou avec l'équipe nationale algérienne? Oui, c'est ça. Donc, ils me disent souvent que je peux continuer à aller plus loin. Donc, ça serait mon but. Ça serait ton but. Ouais. Donc, sinon... est-ce que tu connais un peu l'équipe nationale algérienne masculine? Est-ce que tu as des joueurs que tu connais aussi, que ton joueur préféré peut-être? Oui, il y a un joueur, ça, il s'appelle Mahrez. Mahrez comme tout le monde? Oui. Parce que, ben, c'est sûr que Mahrez, il est connu par tout le monde, même ceux qui ne sont pas algériens, ils connaissent Mahrez, surtout quand il a été sacré meilleur joueur en Première Ligue en Angleterre. Ça fait deux saisons. Donc, il était classé meilleur joueur. C'est pour ça que maintenant, quand on appelle les Algériens, quand les jeunes, ils scandent toujours le nom de Mahrez. Donc, ouais. C'est la même chose pour toi, j'imagine. sinon, quel est ton club préféré dans le monde? Ou peut-être, ouais, dans le monde. Ton club préféré, ton équipe nationale. Le club en premier, après on va parler de l'équipe nationale. Moi, j'aime beaucoup Manchester United. C'est un club très surtout reconnu. Surtout qu'hier, ils ont gagné contre Manchester City. Ils perdaient 2-0 et après, il y a eu une remontada. Donc, le match a fini 3-2. Donc, pour l'équipe nationale, laquelle qui te plaît? Je sais que à part l'équipe algérienne, bien sûr, les autres équipes nationales, quelle est l'équipe
quand tu vois jouer, c'est du beau jeu, tu vois du beau jeu, ça t'inspire. J'avais vu l'équipe nationale de la Norvège. Je me rappelle avoir vu lors de la Coupe du monde des femmes. C'était à Ottawa. Mm-hmm. Donc, j'avais vu une équipe, c'était la Norvège, et j'ai vu le jeu. C'était vraiment un jeu incroyable. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Ouais. Quand tu vois une équipe jouer comme ça, tu te dis, oh, je veux faire ça, je veux jouer comme ça. Ça prend quoi pour jouer comme ça? On sait qu'au Canada, au niveau du Canada, on a une bonne équipe quand même canadienne féminine. Mais quand tu vois ça, c'est quoi qui te pousse à faire plus pour être à ce niveau? Je pense que c'est l'amour du jeu. C'est vraiment être capable d'aimer ce sport et vouloir avoir plus, être capable de s'entraîner pour arriver même à ce niveau. Hein. Et pour les entraînements, ça prend quoi? Est-ce que vous vous entraînez chaque jour ou juste 3 fois par semaine ou 4 fois? Tout dépendant, mais d'habitude, on a 2-3 fois par semaine. Après, on aura une game. Donc, c'est des entraînements quand même assez spécifiques. Mais ça a changé depuis que tu étais petite, j'imagine que ça a changé. Oui. En étant maintenant senior, avant peut-être on s'entraîne 2 ou 3 fois par jour, par semaine, mais là c'est peut-être tous les jours avec ça. L'équipe senior, c'est ça? Oui. Sinon, qu'est-ce que tu peux dire de le niveau? Pourquoi on n'a pas un championnat canadien ici? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un championnat canadien senior? Je dirais que oui, quand même. Ce serait un haut niveau. Ce serait un niveau que je pense que plusieurs filles pourraient jouer. Donc, moi, je dirais que oui, ce serait une bonne idée. Parce que dans toutes les provinces, j'imagine qu'il y a des filles qui pratiquent. Et comme l'équipe nationale canadienne est là, donc ça prend des joueuses, des bonnes joueuses partout dans les provinces. Oui. Ce qui donne de l'opportunité aux sélectionneurs aussi de l'équipe féminine. De sélectionner plein de joueuses, de bonnes joueuses, et après, bien sûr, sélectionner les 25 ou les joueuses qui méritent d'être en équipe nationale. Toi, est-ce que tu suis un peu l'équipe nationale algérienne ou déjà, le dernier match, comme j'ai dit, elles ont perdu contre le Sénégal. Mmh. Ça rentre dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Ghana en novembre 2018. Est-ce que tu suis un peu l'équipe nationale? Parce que c'est quand même, j'essaie de suivre. Tu t'intéresses un peu à cette équipe? Oui, j'essaie de suivre le plus que je peux. Ils ont une game bientôt mardi, c'est ça? Oui, mardi contre le Sénégal, le match retour. Donc, c'est une joute à voir. Une joute à voir. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'il y a une forte communauté à Ottawa, une forte communauté algérienne? Oui, il y a plusieurs joueuses algériennes qui se retrouvent à Ottawa quand même. C'est des joueuses quand même assez incroyables. On a une grosse communauté quand même à Ottawa, d'Algériens et tout, donc oui. Mais est-ce qu'il y a des filles qui jouent aux différentes ligues aussi? Oui, il y a plusieurs filles qui se retrouvent à Ottawa qui jouent à différentes ligues, donc c'est ça. Des filles algériennes, mais ça dépend le niveau. Est-ce qu'elles ont un bon niveau ou c'est des filles qui jouent en double A ou A ou peut-être? Quand même, tu vois un peu de tout. Il y a de tout, des hauts niveaux, des plus bas niveaux, mais quand même, il y a beaucoup de personnes à Ottawa aussi. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des filles algériennes, d'origine algérienne, bien sûr, qui peuvent postuler au niveau de l'équipe nationale algérienne? Oui, j'en suis sûre que oui. Moi, je dirais que oui. Il y a beaucoup à Ottawa aussi, beaucoup d'Algériennes aussi. Sinon, toi, c'est quoi ton jeu préféré, ta tactique préférée, comment tu te sens à l'aise sur un terrain? Comment je me sentirais à l'aise? J'aime tout voir. Quand je suis au milieu de terrain, j'aime contrôler le jeu. J'aime être capable de créer des nouvelles opportunités, de bouger la balle de gauche à droite, de faire des crosses, de donner des passes à mes coéquipiers en avant ou essayer de calmer le jeu, repasser vers l'arrière. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc, est-ce que tu es milieu de terrain plus vers l'attaque ou milieu de terrain défensif? Beaucoup plus vers l'attaque, oui. Donc, si on veut dire un 9,5, un 10, ouais. C'est comme si tu veux, c'est toi qui donnes la dernière passe pour marquer des buts. Ouais. Donc, en général, ce poste est beaucoup recherché au niveau du jeu parce que c'est un poste important. Parce que le joueur qui donne la dernière passe, il faut qu'il soit, il a une vision. Exactement. Ouais. Quand est-ce qu'on donne la balle et quand est-ce qu'on ne donne pas la balle et peut-être lui-même, il peut marquer ce but. Exactement, oui. C'est la vision qui est importante. Donc, au niveau maintenant, vraiment, tu joues à ce poste. Tu joues en 10 ou en 9,5 juste après l'attaquante. Ou sur les côtés. Ou sur le côté. Sur les côtés aussi, oui. Mais tu te sens mieux au niveau de...
Ben, je me sentirais à l'aise quand même sur les côtés aussi. Si je vois tout le terrain aussi, je permets de... J'aime courir de haut en bas. Donc, maintenant, si tu veux faire un message au sélectionneur algérien, qu'est-ce que tu peux lui dire? Je dirais qu'il y a plusieurs opportunités ici à Ottawa et au Canada. Je pense qu'il y a plusieurs filles algériennes qui ont quand même des compétences élevées, qui seraient prêtes à, je pense, à représenter leur pays. Et un dernier message, bien sûr, à la communauté algérienne présente au Canada ou à la communauté algérienne qui est en Algérie toujours? Je dirais, je ne sais pas trop, par rapport à... Ben, ça dépend de la communauté algérienne qui est derrière toi. J'imagine que la communauté qui va nous voir, qui va voir cette vidéo, c'est sûr qu'ils vont dire « Ah, c'est intéressant d'avoir des joueuses comme ça au Canada. » On sait qu'il y a déjà deux joueuses qui sont parties d'ici au niveau de l'équipe nationale canadienne. Pourquoi l'équipe nationale algérienne, pourquoi pas la troisième, ce sera la troisième fille qui ira? Mais je pense que c'est bien, on est capable de représenter notre pays. Ça fait du bien de voir qu'on est renforcé par plusieurs Algériens et Algériennes ici au Canada. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ben, espérons que ça va se concrétiser, pourquoi pas. J'imagine que Anaïs, elle est sûre d'elle. Et pourquoi pas le sélectionneur national aussi, M. Azdine Cheikh. On sait qu'il s'est tourné vers le Canada, vers l'extérieur aussi, pour voir s'il y a d'autres joueuses qui peuvent postuler pour l'équipe nationale féminine. On espère aussi bonne chance et bon courage pour le match retour. On sait que ça va se dérouler mardi prochain face au Sénégal. Le match aller s'est déroulé au Sénégal. L'équipe algérienne s'est inclinée 2-1. Donc, il y a juste un but à remonter. Et après, on passe au prochain tour. Merci Anaïs d'être là. Espérons que la prochaine fois tu vas venir ici, ça va être après le retour du stage avec l'équipe nationale. Et on te souhaite aussi bonne chance avec ton équipe à Ottawa. Et pourquoi pas, comme j'ai dit, être sélectionné avec l'équipe nationale algérienne, parce que c'était objectif, c'est un de tes objectifs. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Merci. Merci à vous aussi. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une autre... athlète ou un autre athlète aussi d'origine algérienne. Au revoir, à la prochaine.